Oh, cette fille. Oh, ce garçon. Une apparition en plein rue, comme au cinéma, sauf que c'est au théâtre. Jamais j'aurais cru que j'aurais pu me retourner comme ça dans la rue, au passage d'un garçon. Mon Dieu, que vas-tu penser? On veut qu'il dise quelque chose? Il faut que je dise quelque chose. On ne va pas pouvoir rester comme ça, bien longtemps. S'il ne parle pas, je vais être obligée de partir. Ce serait trop bête. Bon, je me lance. Excusez-moi, mademoiselle. Oui, il m'a parlé. Elle m'a répondu. Maintenant, vous me trouvez quelque chose à raconter. Par quoi vas-tu commencer? Je suis curieuse. Bon, voilà. Excusez-moi, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part. Je sais, c'est complètement banal, mais je fais ce que je veux. Pas très original, mais bon. Je ne sais pas, c'est possible. C'est même très probable. Parce que moi aussi, j'ai l'impression de vous avoir rencontré quelque part. Ça marche. Peut-être chez les amis communs. Oui, c'est ça, chez les amis communs. Qui? Et après, vite une idée. Mais je ne me souviens plus à quelle occasion. C'est amusant, moi non plus. Voilà comme ça le problème est réglé. En revanche, je me souviens très bien de votre prénom. Ah bon? Comment il pourrait s'en souvenir? Je suis bien certaine de ne l'avoir jamais vu. Pourquoi je dis ça, moi? Non, mais ça va pas. Je suis désolée, mais moi, je crois bien que j'ai oublié les vôtres. Et pour cause? Bon, contre-attaque immédiate. Je ne vous ai donc pas laissé un souvenir formidable. Mon Dieu, la gaffe. Non, pas du tout. Au contraire, j'ai gardé un très bon souvenir de notre rencontre. Mais moi, je n'ai pas la mémoire de votre chat de mon enfant. Elle est très forte. Mais oui, Romain, bien sûr. Je me souviens maintenant. C'est mignon, Romain. À vous de me dire le mien maintenant. Le vôtre? Oui, mon prénom. Je me demande bien ce qu'il va dire. Je pensais là. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, un grand moyen. Un peu démonstratif, mais pas mal quand même. Mon Dieu, comment s'agit-il? Je suis pas dans le club. Je vais vous chercher un peu d'eau au bar d'en face. Faites attention à mon sac. S'il est malin, il pensera à regarder dedans pour chercher mon identité. Oh, merci, merci. Ne bougez pas, surtout ne bougez pas. Opération réussie. Elle m'a même laissé son sac. Je ne peux quand même pas me jeter à son nom en pleine rue. Ça ne se fait pas.
Voyez-moi, c'est dommage. Si je le dis comme ça, direct, que je l'aime, au mieux, il m'aurait donné. Au pire, il m'envoie son sac dans la figure. Bonjour, la stratégie. Vous êtes sûr que je peux partir? Non, reste, s'il te plaît. Oui, vous pouvez mettre à pied maintenant. Je me sens mieux. Pourquoi je pars? Je n'ai qu'une envie. Rester avec lui. À bientôt, maman. À bientôt, Brigitte. Il ne me retient pas. Si ça se trouve, je ne lui fais aucun effet. Si elle ne trouve aucune excuse pour rester,